Mon voisin. Mmh, non. Mmh, 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 mmh. Mon voisin. Mmh, mmh, mmh. Mon, voisin. Mmh, mmh. Mon voisin de Milena Agus. Alors elle, qui d'abord pleurait, tout à coup riait et jamais elle n'avait de mouchoir. Si bien qu'il lui offrait la manche de sa chemise, et elle se penchait par-dessus le balcon pour y frotter toute sa figure, et elle disait que sa manche de chemise dégageait tellement d'énergie qu'elle qu lui faisait désirer la vie, et qu'il était impossible qu'une personne avec autant d'énergie ne se porte pas comme un charme. Une nuit, elle décida de lui expliquer qu'elle avait trouvé comment concilier leurs idées à tous deux sur la vie et la mort. Si les autres le savent, se suicider est une méchanceté, lui dit-elle. Et pour les enfants surtout c'est un héritage terrible. Et puis ceux qui vous aiment ne doivent pas se sentir coupables, ni l'humanité insultée par quelqu'un qui dit que tous les efforts que les autres font pour tenir le coup sont inutiles et stupides. Voilà pourquoi j'ai imaginé le suicide parfait. En quel sens parfait? s'informa le voisin. Au sens où personne ne comprend que vous l'avez fait exprès, et l'humanité continue d'essayer de vivre mieux. Racontez-moi ça. Si je le raconte, je ne peux plus le faire. Mais moi, je ne dirai à personne que ce n'était pas un accident. Vous me le promettez Je promets. Le voisin mit la main sur son cœur. Que les maladies les plus redoutées me détruisent, que la tête de mort et la grande cape noire m'emportent si je ne tiens pas ma promesse. Alors, elle lui décrivit tout exactement la barre de douche, la baignoire remplie d'eau et le rideau à tremper. Et le plongeon dedans avec tous les outils pour fixer la barre et le voisin voulut savoir les détails, comme le genre de baignoire et les dimensions, et celle de la barre et du rideau. Il avait eu tellement l'air de s'intéresser à elle, il avait voulu voir chaque nuit une partie de son corps, et il lui avait dit qu'elle était belle mais deux jours s'étaient écoulés et personne ne s'était plus montré, et la nuit, à la fenêtre, il n'y avait que l'obscurité. Il voulait peut-être arrêter là leur relation et ne s'était fait raconter son suicide que pour voir jusqu'à quel point elle était folle, et il avait alors décidé de ne plus jamais lui laisser son fils, parce qu'une femme comme elle, on ne pouvait pas lui faire confiance. Sûrement, ils étaient partis, père et fils, le plus loin possible de cette voisine folle. Et tout à coup, une pensée terrifiante lui vint. Si le voisin était mort, s'il ne lui avait posé toutes ces questions sur le suicide parfait que pour copier son idée, s'il avait fini par dire ça suffit avec cette peur des maladies, et s'il était allé défier la tête de mort, la faux et la grande cape noire armée d'une barre de douche. Bien que deux jours seulement se soient écoulés, elle se persuada que les voisins ne se montreraient plus. C'est seulement maintenant que ça valait la peine de mourir, à présent qu'elle était si triste et pas avant quand il y avait quelqu'un pour apparaître en haut du mur, et elle, ça lui avait paru sans importance, alors que c'était des jours heureux. C'était bien de cuire un œuf à la coque tous les matins et d'aller en quart à la mer et de chercher des copains dans la chaleur étouffante, à l'heure du déjeuner, quand il y avait des nuages, et de se faire brosser les miettes et arranger les cheveux, et de se faire aider à trouver l'autre manche et de se frotter sur celle du voisin pour y prendre de l'énergie ça semblait ne pas suffire sans l'assurance d'un bonheur futur et pourtant si, ça suffisait, le présent aussi suffisait, et elle ne l'avait pas compris. Et maintenant ils étaient muets, tous les deux, le petit assis sur le carrelage et elle sur le rebord de la baignoire, à penser combien son suicide était bête, et que jamais personne n'y aurait cru, et combien était bête aussi son idée qu'il vaut mieux mourir quand on est heureux, aussi bête l'une que l'autre si bien que lorsqu'on sonna, elle ne voulut même pas aller ouvrir. De toute façon, celui qu'elle attendait ne pouvait arriver que par la fenêtre qui donne sur le mur certainement pas par la porte d'entrée. Mais elle se rappela alors la promesse faite au petit garçon qu'elle serait là si son père, après une énième bêtise, ne lui ouvrait plus. Mon Dieu. Pria t-elle, faites que ce pauvre enfant ne soit pas déjà reparti. Elle se leva d'un bond, en laissant le petit sur le carrelage, et courut à la porte. C'était le voisin et son fils, armés d'une barre de douche et d'un rideau neuf, et d'une caisse à outils. Et quand ils entrèrent, le bébé agrippé au rebord de la baignoire s'écria. Babou, Baba, Babou, Baba, Babou, Baba.